nous nous trouvons maintenant devant les fameuses bornes du Baron Fabre. C'est ainsi qu'elles sont appelées par les habitants de ce quartier. Ces bornes sont une entrée dans une propriété rurale et le Baron Fabre était propriétaire de ces terres sur lesquelles se sont développées une partie de ce quartier ainsi que la zone industrielle du Prat qui se trouve juste à côté. Le Baron Fabre était un brillant militaire sous Napoléon Bonaparte. C'est sans doute le seul Morbihanais à avoir son nom sur l'Arc de Triomphe. Il était donc propriétaire du château de Lisiec, qui s'est trouvé amputé d'une partie de ses terres lors de la construction, dans les années 60, de la RN 165. Ce petit chemin que vous voyez qui s'ouvre devant vous fait partie des nombreux petits chemins qui traversaient ce quartier autrefois. Et fort heureusement, il en reste une partie. Ils étaient empruntés par les agriculteurs pour aller d'un champ à un autre.